vraiment désespérant. Vous êtes vraiment des gamins, c'est incroyable. Tous les ans, on vous répète la même chose. Toutes les années, on vous répète la même chose. Attention, lors de votre repas du 31 décembre, quand vous ouvrez des huîtres, ne le faites pas avec ce genre de couteau. Il n'est pas du tout adapté, c'est hyper dangereux. C'est quand même pas bien compliqué à comprendre, faut vous le répéter combien de fois? Tous les ans, on a des accidents aux urgences qui arrivent le 31 et se sont crevés les mains, et se sont abîmés, sont blessés avec ce genre de couteau. Mais il y a des outils aujourd'hui, des couteaux qui sont spécialement conçus pour ouvrir des huîtres. Voilà, c'est tout simple, utilisez-les. J'en ai ouvert une douzaine, moi, tout à l'heure. Hein, et ben, je peux vous dire qu'il n'y a eu aucun problème, quoi. Hein? Pourquoi refaire la vidéo? Mais qu'est-ce qu'il y a qui n'allait pas? Ah oui, au fait, j'ai oublié de préciser aussi. Vous pouvez ouvrir une huître sans ustensile du tout. Hein. C'est possible. Ouais. Il suffit de prendre l'huître, de la mettre devant la télévision, hein, sur un film de la TNT ou même un programme de TF1, par exemple. Au bout d'un moment, en principe, elle souffle parce qu'elle se met à bâiller. Et là, hop, voilà. Simple, efficace, sans blessure. Ça saigne, hein. Vous m'emmenez à l'hosto, on va aux urgences.